Ligue de la Vielle, c'est la meute en action. Oh oh oh, c'est la meute en action. Hello Captain Angel, c'est bien ton nom. Prenons un verre de rhum, buvons-le sur le pont. Revêt ton courage, ça fait flotter ton pavillon. Levons l'ancre et dansons sur mon accordéon. Des planches, des bananes et des boulets de canon. Ramenons tout ce qu'on peut à bord de notre galion. Pillons, chantons, jouons de l'accordéon. On est des vieux de la Vielle, c'est la meute en action. Oh oh oh, c'est la meute en action. Tous ces squelettes qu'on aperçoit à terre vont tomber sur un os parce qu'on va se les faire. Suis au mégalo, donc tu fais régner la terreur. On n'a pas à s'en faire, t'es le roi des gamers. Des planches, des bananes et des boulets de canon. Ramenons tout ce qu'on peut à bord de notre galion. Pillons, chantons, jouons de l'accordéon. On est des vieux de la Vielle, c'est la meute en action. Oh, 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 c'est la meute en action. Ramenons tout ce qu'on peut à bord de notre galion. Pillons, chantons.
clair. Tu es au mégalo, donc tu fais régner la terreur. On n'a pas à s'en faire, t'es le roi des gamers. Des planches, des bananes et des boulets de canon. Maintenant tout ce qu'on peut à bord de nos galions. Pillons, chantons, jouons de l'accordéon. On est des vieux de la vielle, c'est la meute en action. Bonsoir Karanganje, désolé j'ai toujours du mal avec toi. Bonsoir Dark Cizev, bienvenue ce soir, bienvenue. Désolé, je retourne en temps puisque hey ouille. Le chapeau que je n'arrive jamais à mettre comme il faut. Ah ! Mais c'est pour ça que vous m'entendez pas, mais quel abruti ! Je disais donc bonsoir Karaganje, bonsoir Dark Cizev. Voilà. Si je mets pas le micro devant moi, vous ne m'entendez pas. Donc voilà, quel abruti je fais. Merci d'être là, merci pour ce dernier stream avant l'affiliation, ça y est. La semaine prochaine, on est affilié tout simplement, normalement, hein, on va garder notre moyenne normalement ce soir, il n'y a pas de raison. Voilà, et comme d'habitude, un live, oh, bordel de cul, comme la bière et comme le fleuve en Inde, ah oui, Kara, Gange, d'accord, mais pas grave, bisous plein de dents pourries et clin du soleil qui reste. Super, merci Karagange. Bah Karagange du coup, voilà aussi simple que ça. Merci pour ton passage, merci de faire un coucou, et si tu repasses plus tard, tu es le bienvenu, évidemment. Si tu sais pas repasser, il n'y a pas de souci. Moi j'ai pas encore eu l'occasion de passer, parce que tu streams toujours à des horaires qui ne m'arrangent pas. du coup voilà. Mais ça va arriver, je te le promets. Force à toi, je sais pas si tu es déjà affilié ou si tu vas bientôt l'être, mais je te le souhaite. Je vais arrêter ce retour parce que je m'entends en écho là. Bonsoir Arnaud, comment ça va? Écoute, ça va super. Et toi, comment tu vas? Tu passes un bon week-end? J'espère que tout va bien pour toi. Ah bah c'est cool, bah y a des habitués tout doucement. C'est cool, ce chapeau qui ne tient pas. Il faudrait que je m'achète un casque qui prenne moins de place ou un plus gros chapeau tout simplement. Bon abordage à toi, merci Dark Cizev, spectateur VIP. Ça va super, merci. Bah, tant mieux. Alors, ce soir, quel est le programme? Eh bien, on va se relancer dans Sea of Thieves, hein, pour changer. C'est le dernier stream avant l'affiliation. Normalement, je me suis inscrit à un event Sea of Thieves
Croisez les doigts pour moi, parce qu'on va peut-être se retrouver avec un raid de 8000 personnes. Bon, faut pas trop rêver non plus. Mais c'est le Festival of Giving sur Sea of Thieves, donc on va un petit peu explorer ça. Et j'ai pas eu l'occasion de refaire l'aventure qui s'est foirée, qui a un peu fini en eau de boudin, comme on dit, la semaine dernière. Donc on va se relancer là-dedans, mais on va un peu plus la torcher, tout simplement. Pardon, désolé. Je ne suis presque plus malade. Je ne suis presque plus malade. Je regarde juste quelque chose. Hop là. Avant de lancer le jeu. Tu vas les dégommer. Bah oui, je... Oh là, pardon. J'espère que les Allemands ne vont plus me voler mes artefacts. Sinon, on va se retrouver comme la semaine dernière, tout simplement. Donc, voilà. Voilà. Et donc, c'est la dernier stream avant l'affiliation. Puisque je suis à 6 streams sur 7 et j'ai toutes les conditions, donc il n'y a pas de raison que ça baisse. Enfin, voilà, ma moyenne ne va pas chuter. C'est impossible. Même, je crois que même si j'ai un spectateur, c'est impossible. Oui, 2. Ah, finger crossed. je suis perdu. Les doigts croisés. Ils ont une dent contre toi. Mais oui, l'autre fois c'était des Russes, cette fois-ci c'est des Allemands. Donc voilà, tout simplement. Voilà, j'ai préparé ce que je voulais préparer, plus ou moins. Ça, je vais mettre là. J'organise un peu mon bureau avant de se lancer. Les Allemands, bah oui. Enfin, l'autre fois c'était des Russes. On va lancer le jeu. Voilà, et je vous annonce déjà que la semaine prochaine, le 23 décembre 2022, nous ferons notre dernier stream de l'année, parce qu'après c'est les fêtes, etc. Donc, petite pause. Hein. Dernier stream de l'année, vendredi 20h30, pour le Festival of Giving, où là, en fait, y a des... Comment dire, une sorte d'event durant le jeu pendant tout le week-end où on va pouvoir gagner deux fois plus d'argent, on va pouvoir faire toutes les quêtes, tout a plus de valeur en fait, les quêtes, la progression, voilà, enfin, je reviens plus sur mes mots. Voilà, tout simplement, donc ça va être à fond là-dedans. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui! Sur YouTube, nouvelle vidéo qui est sortie, Papers, Please, l'avant-dernier épisode. Donc le dernier épisode sera début 2023 et on finira totalement cette série-là. Et on commencera une nouvelle série qui est, comme je l'ai annoncé dans mon dernier papote, et je vais en reparler dans le prochain, Sea of Thieves tout simplement, mais version top pour enflouer sa compte. Ouais, ça c'est clair. N'hésite pas, Dark Cizev, à jouer à ce moment-là, hein, si tu as l'occasion. Tout le week-end, si tu as un peu de temps. Hop, à l'aventure. Et donc voilà, une aventure narrative sur Sea of Thieves. Hop, on va tout de suite mettre en mode jeu. Je dois juste écouter. Ah bah pourquoi il n'y a rien qui apparaît? Bien évidemment. Oui. Que passa? Pourquoi tu n'apparais pas? Non, c'est pas ça. Pourquoi tout n'apparaît pas, c'est ça. Ah, voilà. Voilà, si vous êtes cliqué dessus. Voilà. Il dormait un petit peu. J'écoute juste si les sons sont bien mixés, comme j'ai changé ça récemment, juste avant le live. Ouais, ça a l'air d'aller. N'hésitez pas à me dire si à un moment donné, vous ne m'entendez pas. Je devrais fixer le chapeau sur mon casque. Si à un moment donné vous ne m'entendez pas ou quoi, vous me le dites. Ah, allez, on se lance direct. Hop là, boum. Boum. Et comment tu vas, mon petit Dark Cizev? J'espère que tu vas bien. On se voit la semaine prochaine d'ailleurs. Hein, en parlant de ce fameux week-end Festival of Giving, on se voit la semaine prochaine. Si je ne m'abuse. Voulez-vous vraiment retourner sur le bureau? Bah non, je viens de lancer le jeu, abruti. Alors, on va aussi un petit peu explorer les nouveautés. On va d'abord lancer l'aventure.
Super bien et oui, trop hâte. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, au-delà des nouvelles que j'ai données à ta damoiselle, ça va, le boulot, ça va. Ça va, on se remet. Disons que c'est Freda qui a un peu plus de mal, mais la maladie, c'est jamais chouette, hein. J'étais fort malade pendant une semaine aussi. Ah oui, bah ça tourne, hein, parce que moi, je suis revenu travailler au boulot. Après une grosse semaine d'absence et boum, un autre est tombé malade. Enfin, tout le monde est malade au boulot, quoi. C'est hallucinant. En tout cas, merci d'être là. Merci. Tu mérites bien ton statut de VIP. Ça, c'est moi qui te le dis. Et donc, vendredi, je compte aussi sur vous parce qu'on va pouvoir lancer les abonnements. Ceux qui s'abonnent avec, même ceux qui s'abonnent avec Prime, hein. De la bière des sirènes du stream non dit jus. Exactement. Et c'est sur le même air que la chanson de mon ami Gats qui est l'intro de la chaîne. Ah ben voilà, hop. On est déjà dans l'ambiance de Noël ici. Alors, est-ce qu'il y a des petits cadeaux dans les petites bottes? On va se réchauffer au coin du feu. Oh, pardon. Bon, ils ont fait une grosse mise à jour récemment. Donc, la mise à jour de Noël, comme vous pouvez voir déjà avec les décos. Bon, sympa. Oui, c'est une saleté cette maladie et je suis super content d'être VIP. Ah bah, tu le mérites. Tu le mérites. Hop là. Il est au poste depuis le début, avant même que je mette la webcam, etc. On discutait dans le chat alors que j'avais même pas de micro. Pour le tout premier stream. Hop. Alors, voilà. Si à un moment donné, le chat s'emballe avec des gens qui parlent en anglais, c'est que j'ai été tiré au sort par Sea of Thieves pour leur raid. Hein, faut pas s'étonner. Mais normalement, ça n'arrivera pas. Je suis pas une chaîne anglophone. Et quoi, t'as eu quoi comme... Madame Olivia. T'as eu quoi comme maladie, mon petit... Ah, mais je suis au bon endroit direct, mais ça c'est formidable. Ah, là on gagne du temps déjà. Donc, la même aventure que la semaine dernière, mais en mode accéléré. Je vais pas refaire tout le RP où je lis tout. Hein, elle va parler pendant 3 ans. Donc, je vous fais un résumé. Elle est malade, hein, vous voyez, elle a une main squelette là. Ici là. Voilà, si vous voyez bien. Et donc, elle a une malédiction, et donc on doit aller aider pour la guérir. Voilà. Donc pendant qu'elle parle, on va faire notre popote. On va vraiment la faire en mode rush. Parce qu'après, on va faire un peu de PVP. Hein. Mine de rien, je suis sur une série de 5 victoires d'affilée. Donc on est bon. J'ai une bronchite. Ah ben voilà, moi c'était une laryngite. Donc on est les frères Hit, tout simplement. Hop. Hop là. Comme d'hab, mon petit... En fait, je devrais sauvegarder, sur que je l'ai sous. Que je mets toujours le même en ce moment. Mais j'aime bien changer, donc... On va remettre mon petit truc de pirate des Caraïbes. Hop. J'ai gagné un titre. Apparemment, j'ai gagné quelque chose. La la la. Hop. Le canon. Hop. Ça... Le Kébestan. Voilà. Droid Star Wars, 5 sur 5. 5 sur 5. Reçu, 5 sur 5. Hop là. Roger. Hop. Droid Star Wars, 5 sur 5. Hop. Il est en parfait état. Bah, j'ai même rien à acheter finalement chez Madame Sou. Ouh là là, j'ai reçu voilà les leçons pour devenir l'aventurier. Parfait. Yo Cimerus, bienvenue Cimerus. Le jeu est incroyable, mais j'ai toujours pas commencé. Ah mais bravo. Gigo bisous, bisous Karagange. Tu es le bienvenu si tu repasses plus tard. Y a pas de souci. Comment il va le petit Cimerus? Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Donc. Donc Cimerus, on repart sur l'aventure qui a foiré la semaine dernière.
On va la faire en mode rush parce que j'ai pas eu le temps de la faire en off. Donc on va la faire vite fait, bien fait. Et donc normalement c'est ces îles là. J'ai toujours les îles cochées. Et après on va partir sur du PVP et en même temps on va visiter les nouveautés puisqu'il y a eu la mise à jour de Noël. Comme vous pouvez le voir ici, mon jeu lag, mais donc il y a des décos de Noël un peu partout. Et en plus, je vais bien, désolé, j'ai pas pu vendredi. Mais non, vendredi ça a été décalé à aujourd'hui. si tu veux, le mieux si tu veux être tenu au courant de mes programmes de live, c'est de me suivre sur un de mes réseaux, que ce soit Twitter ou Insta. Souvent je publie dans les stories Insta les programmes de live. C'était mieux que je fasse ça aujourd'hui parce que je terminais plutôt le boulot. Purée, on est 11. Waouh. Je terminais plutôt au boulot et je commençais plus tard demain, tout simplement. Donc là, on a 35 planches maintenant et on a des noix de coco. Donc voilà. Alors tant mieux. Bah oui, t'as rien raté du tout. T'as rien raté du tout. Et le prochain live, parce que je vais streamer un peu moins souvent malheureusement, le prochain live, ça sera le vendredi 23 décembre, le dernier stream de l'année, parce qu'après ce sont les fêtes, donc voilà. Je vais être occupé autre chose tous les week-ends. Et on reprendra en 2023. Pour le Festival of Giving, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est le dernier stream pour être affilié. Je sais pas dans quelle direction faut aller. En fait, je suis con, moi. Hop. Alors. J'étais plein nord, il me semble. Je suis pas du tout dans la bonne direction. En tout cas, ça me fait plaisir que tu sois là, Cimérus. Je suis ravi que vous soyez tous là, les amis. C'est vraiment chouette. Il y a du monde. C'est chouette. Hop là. Plein nord. Toujours pour répondre à l'appel. Dark Cizev au rapport. Bien camarade. À l'appel du capitaine Merlin. Je planche aussi sur un générique de début. Parce que bon, avec l'affiliation, va falloir un petit peu se renouveler. Ouais, bien d'accord. Ah. Donc, bon, il sortira quand il sortira, quand j'aurai le temps, mais ça va être un petit délire. Parce que là, j'avance un petit peu au pif. Ouais, non, c'est plus ou moins par là. Voilà. J'espère que tu passes un bon week-end, mon petit Cimérus. Bien le bonsoir, Streamax. Bonsoir, capitaine. Bien le bonsoir, Streamax. Alors, comment avance l'étude? J'espère que tu vas bien. Tu fais une petite pausounette. Je viens de terminer. Ah, parfait. Par contre, je vois qu'il y a un petit souci. Voilà. Parce qu'apparemment, j'avais pas prévu d'avoir autant de viewers. Hop, voilà. On est sur un... Sur deux chiffres, voilà, voilà. Demain, je vais faire Noël avec ma famille. Ah, super, ça. Demain, déjà, pas la semaine prochaine. Après, c'est vrai que dans ma famille, on avait failli le faire demain, mais... Demain, je travaille. Comme je travaille dans un magasin, on est exceptionnellement ouvert ce dimanche. Donc, nous, ça sera le week-end prochain. On évite Snake Island. Je viens de terminer. Et ça va, tu respectes ton programme, Streamax? T'arrives à t'y tenir? Parce que c'est pas évident, mine de rien. Moi, je sais que, voilà. Quand j'étudiais, je me laissais... J'avais un programme, mais je ne le respectais jamais. Bon, après, j'avais pas beaucoup de cours théoriques. C'était surtout de la pratique. Sinon, j'aurais pas eu une distinction. Oui, je me la pète un peu. Voilà. Distinction, c'est bien. Distinction ou grande distinction? Ouais. Distinction, c'est bien. Grande distinction, on peut se la péter. Ouais.
Bien, bien, bien. La mer est légèrement agitée. J'espère qu'on va pas se taper un orage comme l'autre fois. Oh là, ça sent la pluie. Oui, mine de rien, c'est dur de le respecter, mais j'essaye à fond. Bah, c'est bien si tu y arrives. Ouais, désolé, j'étais concentré. Ouin, ouin, ouin. Mais bon, j'aimerais bien réussir cette aventure au plus vite. Oula, on vient d'avoir une chute de spectateurs. J'espère qu'ils ne se sont pas fait mal. Voilà, voilà. Il y a de la place. Salut, Lucas. Et... Oh. Ben non, comme je t'ai dit l'autre fois, je ferai des streams spéciales abonnés un jour. Je ne sais pas encore quand. Quand je prends un équipage, je prévois ça en avance. Là, maintenant, je suis lancé dans des histoires seules. Donc, voilà. Et je stream avec des gens que je connais d'abord. Mais je ferai des streams spéciaux abonnés ou quoi un jour, ne t'inquiète pas. Tu mets ton fond vert pour quelle occasion? En fait, mon fond vert, il est tout pourri. Mon fond vert, je l'utilisais pour Papers, Please. Que j'ai fini de tourner l'année passée, donc là vous avez les derniers épisodes. Mais mon fond vert, en fait, il est vraiment pas idéal, il tient pas en fait... C'est ça que j'utilise pas dans mes streams, mais je l'utilise quasiment plus. En fait, faudrait que j'en rachète un autre qui tient mieux, tout simplement. Après, j'aime bien mon petit cadre, mon petit décor, là. Mais c'est vrai que je me suis dit, allez, un petit fond vert et me mettre comme ça. Oula, 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 c'était quoi ça? Je crois qu'il y a un stut, là. Il y a un stut avec ma barre, c'est quoi ce bordel? Ça va, ça a l'air d'être réglé. Ah ok, oui c'est sympa aussi le petit décor derrière. Ouais, c'est mon bordel, hein. Il y a de tout. Il y a le Power Ranger rose, il y a Woody, il y a un clap de cinéma, il y a X-Wing en Lego, il y a des Hot Wheels, il y a d'autres Lego. Je voulais mettre le livre de Gadgets aussi dedans, mais je n'ai pas. J'ai pas encore su le caser. Donc voilà. On y est presque, les amis. Ici, ça fait bateau. Ça fait effet bateau le fond. Ah, bah tant mieux. C'est pas fait exprès, mais tant mieux. En plus, j'ai des bateaux en Lego que j'ai toujours pas fini de monter depuis mon déménagement. Que j'avais démonté et j'ai pas eu le temps de les remonter. Que j'aurais bien voulu mettre plus en fond. Et d'ailleurs, là, ici, on a la carte. Ça, c'est la carte de Sea of Thieves. Ça, c'est une tasse Lego où il écrit Merlin dessus. Je sais pas si on va voir parce que la lumière donne pas... Ça, c'est un Lego exclusif Unity qui était donné si on participait à un concours où on devait créer son propre jeu vidéo Lego. Si vous voulez voir le résultat, bah, il suffit d'aller voir la vidéo sur YouTube, il y a le lien du jeu. C'était super intéressant à faire, mais... très long, très compliqué, et mon PC, il supporte pas, donc... J'ai jamais continué. À un moment donné, je me suis dit, ouais, je vais me lancer là-dedans, etc. Mais je voulais faire un jeu The Great Merlin, mais... Le Black Pearl en Lego. Non, le Black Pearl en Lego, quand j'ai commencé les Lego, il était déjà introuvable. Et il est hors de prix, il est genre à 700€. Si un jour je gagne à l'euro million, là, oui. Non, j'ai le Queen's Anne... Non. Merde. Le Silent Mary... C'est le bateau du méchant dans Pirates des Caraïbes 4. 5, pardon. Et j'ai un bateau pirate Lego Ninjago. Le bateau du film Lego Ninjago.
Il y avait de la musique d'ambiance là. Elle a disparu, mais ils sont là-bas, hein. Je sais où ils sont. Sympa la tasse, oui, elle vient de Legoland en Allemagne. Et ils gravaient. Enfin, il y a de la musique et puis il n'y a plus de musique. Salut les cochons. Normalement, ils sont ici quelque part. Enfin. Ah! Oh non! C'est des fantômes! Laissez-moi tranquille, c'est pas vous que je cherche des squelettes! Aïe aïe aïe! Oui oui oui! Hey, voilà! C'est ici? Non, c'est pas ici. On va retourner là où il y avait la musique. Ninjago, c'est vraiment un univers que j'adore. Ouais, moi je trouve qu'il y a des belles pièces en Ninjago. Mais je collectionne pas beaucoup Ninjago. Mais Lego, pour l'instant, je suis un peu fâché avec eux, donc je collectionne plus beaucoup. Allez, crève! Des boss très faciles à battre. Ah non, ça régénère! Arrête de manger des bananes! Voilà! Good! Good, good! Page d'indice. On va prendre tous les trésors, on va pas se faire chier. Même si ça vaut pas grand chose. Voilà, voilà. Ah, merci Lucas 1808. Je ne sais pas lire ton nom. Merci pour le follow. Bienvenue à bord. Bienvenue. Tiens, je vois que le message de Wisebot n'est pas le bon, mais c'est pas grave. On modifiera ça pour le prochain stream, tout simplement. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. Yo Lucas. Bah oui, yo Lucas. Bienvenue. Qu'est-ce que tu fais de beau parmi nous? Bienvenue sur Sea of Thieves, bienvenue dans l'équipage du capitaine The Great Merlin. Nous partons à l'aventure, à la recherche des trésors de Brixby. Alors, où est-ce que je dois aller maintenant? Je ne sais plus. Faut aller par ici. Hop là. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Yo Streamax, yo Merlin. Bienvenue à toi, bienvenue à toi. Tu es le roi ce soir, tu es mon premier followers du soir. On a 65, c'est génial. C'est le dernier stream avant l'affiliation, bienvenue à toi. Je suis The Great Merlin, je stream sur Sea of Thieves. La semaine prochaine, vendredi 23, on fait un stream sur Sea of Thieves. Le dernier stream de l'année, premier stream en tant qu'affilié. Parce que celui-ci, c'est une formalité. J'ai juste pas assez streamé de la semaine sur les 30 derniers jours. Donc bienvenue dans cette communauté qui s'agrandit. Où est-ce que je dois aller? Ah ouais, je dois suivre la boussole, moi je suis con, je dois pas regarder la carte. Et voilà. Et donc je suis principalement, pour me présenter, principalement YouTuber. Je sors une vidéo un samedi sur deux et je stream un samedi sur deux normalement. Là ici on est dans une période un peu exceptionnelle où on stream un petit peu plus souvent. Et voilà, tout simplement, j'ai des vidéos qui sortent. Il y en a une qui est sortie aujourd'hui d'ailleurs. Sur d'autres jeux. Je ne fais pas que du Sea of Thieves. Sea of Thieves, c'est pour Twitch. Comme ça tu sais tout. Si t'es curieux, t'as tous mes réseaux en bas. Voilà, fais-toi plaisir. Sinon, profite du stream si tu t'en fous du reste. Tout simplement, tu es ici chez toi, tu fais comme tu veux, il n'y a pas d'obligation, c'est déjà super gentil d'avoir follow. C'est génial. Je suis un homme heureux. Oh là là. Voilà, ah merde. Oh non, non, j'ai raté les trésors. Bon bah tant pis, c'est pas grave, on verra au retour. Où est-ce que je dois aller? Moi je dois aller sur la petite île là-bas. Ah non, c'est une autre petite île, je me rappelle. Donc ici, je sais pas si tu joues à Sea of Thieves ou pas, Lucas. Je fais la dernière aventure parce que... Je suis en train de couler. Ah merde, je suis en train de couler. Ah ouais, il y a un trou là.
Parce que la semaine dernière, quand je l'ai faite, des Allemands m'ont volé mes artefacts et j'ai pas pu la conclure. Donc là, on l'a refait en rushant un petit peu parce que je l'ai déjà faite, donc je sais où il faut aller. Et après, on va PVP un peu explorer la nouvelle mise à jour. Alors, je sais pas. Ouais, ça lag. Désolé. J'ai déjà joué à Sea of Thieves. Trimax, c'est mon chauffeur de salle. Voilà. On arrive tout doucement. Là, on doit aller. Hop. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? On va se garer un petit peu à l'arrache. Hop. Il est mort. Qui est mort? Hop là! Bon, il est passé faire coucou, il la follow, c'est déjà super cool. Bon, elle est où la musique? Suivre la musique. Où est la musique? Sur la deuxième île, je crois. Hop! Lucas, il répond pas. Ah! Oh, laissez-le! Il est peut-être parti faire une course, je sais pas, il est peut-être. Il avait peut-être un besoin pressant, ou voilà, ou il est passé faire coucou, c'est déjà sympa. Mais c'était sur cette île ici quand même. Là-bas! Hop là! Oh! Oh! Galère pas pour creuser cette fois. Non mais t'inquiète, je dois pas trop creuser. Petit trésor ici. Bon, c'est de la merde. La musique! Ça y est, ils se mettent à jouer. Des percussions, c'est qu'il y a des ennemis. Oula, oh putain, il m'avait jamais fait ça avant. Nom de Dieu. Ça va aller, oui. Tayo. Oh, je vais mourir. Comment ça se fait qu'ils m'ont dégommé alors que d'habitude ils me dégomment pas, je comprends pas. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, il y a eu ma manette qui a bugué là. Il est temps de m'acheter un nouveau PC, hein. Voilà. Par contre, je vais pas prendre le crâne, il est trop loin, le bateau. Voilà, j'ai la clé. La clé ! Dame Ginette demande la clé. Ok, hop. Merde, j'ai pas dû passer par là. Bon, c'est pas grave. Waouh, les fonds marins, c'est beau. Oh, l'excuse de la manette. C'est toujours la manette. C'est jamais ma faute. Et quand c'est pas la manette, c'est la connexion, c'est le lag, j'ai tout. Je peux demander à Sir Fenrir quand on fait des tournois Mario Kart sur sa chaîne. Je perds. Mais c'est la manette, c'est pas moi. C'est la manette et la connexion. Ah, des planches. Ah, je vais pas. On n'est pas là pour looter, ok. Je suis là pour faire l'aventure. Et après, on va faire. Comme j'ai dit. Merlin, c'est ton prénom sans indiscrétion. Non, ce n'est pas mon Merlin. Ce n'est pas mon prénom. C'est mon surnom. The Great Merlin, c'est mon pseudonyme. Non, ce n'est pas mon prénom. Voilà, je crois que j'ai assez répondu. pop. La boussole. Ouais, on va d'abord prendre la boussole. Je dois aller où maintenant? Hop là. Et tu n'es pas indiscret, sache-le. Sache-le, Lucas, tu n'es pas indiscret.
Tu as le droit de savoir. Le monde a le droit de savoir. Hop. Voilà. Alors, par où est-ce qu'on va? À gauche. À gauche. Allons à gauche. Désolé, bâbord, tribord. Voilà, déjà gauche et droite, c'est limite. Vamos, tout droit. Je ne sais plus sur quelle île on doit aller. Dagger tous ou Isle of Last World ou The Sun Kingdom. Tu as des airs à Grimkujov, j'espère. Si tu, je sais pas si tu connais, c'est un streamer. Non, je ne connais pas du tout, mais tu m'intrigues. Je vais aller voir ça. On a peut-être pas le même accent, parce que je sais pas si lui il est français ou belge, mais. Bon, je suis belge une fois, hein. Donc, voilà quoi. Ah bah j'irai voir. Grimkujov. On va aller voir ça. Bien, bien, bien. Ah, tout droit, c'est tout droit. Oula! Oula là! Ah non, hein! Je ne veux pas de tempête, s'il vous plaît. Ça va. C'est juste le ciel qui s'assombrit. Je crois qu'on change... Pardon. On change juste de zone. Un petit coup, hein, parce que je commence à avoir la langue qui fourche. Ah! J'adore l'eau. En 2 ou 3 ans, il n'y en aura plus. Y'a la ref. Et il a pas si tort. Cet homme là. Alors voyons voir un petit peu. Hop. Bien. Bien bien bien. Nous nous rendons. Il y a un bateau là-bas. Un squelette. Oh non. Oh non, please, no. C'est l'heure d'hiver. Ah bah ouais. Je peux peut-être éviter d'aller les voir et d'aller ailleurs en attendant. Je dois aller où? À Kraken's Fall. 9 Kraken. Bon, c'est pas là. Galleon's Grave. Donc 1000 caps sur Kraken's Fall. Je combatte les squelettes, ce déguisement. C'est l'heure d'hiver en retard. Ah, en retard, ok. Ouais, ok. J'y vais, bon stream peut-être à tout à l'heure, capitaine. Merci Streamax, tu repasses quand tu veux. Très grand aventurier. Kraken's Fall. Kraken's Fall, c'est ça. Tout d'abord, il y a 9 Kraken. Ouais, donc ça c'est bon, Kraken's Fall. WOD à Galleon's Grave. Mais il faut pas aller à Galleon's Grave. Est-ce que je suis au bon endroit, moi? C'est l'île là, hein. Ouais, c'est ça. Tu penses finir à quelle heure? Vers 23h, je dirais. Je ne finis jamais bien tard. Maximum 23h, on va dire. Cette île là, Sunken Grooves. Après, voilà, si tu sais pas rester, tu sais pas rester, hein, tu peux, tu sais laisser tourner le live, c'est bien. Si tu sais pas, c'est pas grave. Good, good. Alors attention, attention, on arrive. Là.
Perfecto. Ça c'est de l'amérissage. Non, amérissage c'est pour un avion qui atterrit. Qui amérit. Je sais pas comment on dit garage. Garage de bateau. Parking de bateau. Ah! 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 Crève! Ce matin, je me suis fait un torticolis à cause de mon réveil. Ah merde! Quoi, c'était si violent que ça? Tu t'es réveillé, tu fais. Ou bien ton réveil, t'étais du mauvais côté, ton réveil était de l'autre côté, t'as dû te retourner pour le couper. Comment t'as fait ton compte? Bravo en tout cas! Les torticolis, après c'est chiant, t'es bloqué toute la journée là, t'as mal. Au moindre mouvement, au moindre sursaut. Ah! Il m'a fait peur, j'ai sursauté. Ah! Merde, je serais curieux d'entendre ton réveil. Tiens. Se réveiller en sursaut, c'est le pire. Ah, je vais regarder s'il n'y a pas des fruits parce que. Ouais, j'ai mangé quelques fruits. Hop là, c'est parti. Hop là. Bien, bien, bien. Hop. On a les trois clés. C'est ça, un, deux. On va s'organiser parce que... Donc, le crâne 1. Deuxième crâne. J'ai deux crânes et trois clés, normalement. 2. Et les clés 1. Je vais les mettre... bah, je peux les mettre peut-être là. Sur la table. 2. Et la troisième. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, ça c'est tout moi. Ah bah elle est là. Voilà, on la voyait pas bien. Et 3. Donc maintenant. Donc c'est grand être, c'est le son. Je dois aller à Crooked Mast. Crooked Mast, très bien. Kenmas est un bon endroit pour apprendre l'histoire, tant mieux. Galleon's Grave. Un 1 au sommet, un 5 au milieu. Elle me rappelait les îles voisines. J'ai donc mis le cap sur Kraken's Fall. En chemin, j'ai enterré votre prochain trésor en plein milieu des 5. En plein milieu des 5. Ouais. Ou même un squelette de Kraken. Tout d'abord, il y a 9 Kraken. Mais les deux là, c'est Kraken's Fall. Alors, je dois aller deux fois au Kraken. Il y a 2 trésors au Kraken's Fall. Et un à Crooked Mast. Donc, on va aller à Crooked Mast plein sud. Je me rappelle déjà plus. J'ai pas beaucoup joué depuis le dernier stream, je vous avoue. Hop, on va faire ça. On va faire demi-tour avec prudence. Voilà, voilà, voilà. Pivoter! 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 Je dois aller où? Plein sud. Là où il y avait un bateau, en gros, non? Bon. Go! Pleine voile, hop! Plein sud, c'est parti! Ouais, là-bas, il y a un bateau. La question c'est, est-ce que c'est le même bateau que Tal ou c'est un autre? Ah, c'est un vrai bateau. Enfonce, capitaine! Et c'est le petit phoque! À bâbord toutes! On éteint les lumières!
Mon dieu, mais je suis en train d'oublier mon chien, moi, purée, quoi. Maverick, go. Ah. C'est mon toutou, c'est mon toutou. Voilà. Hop, voilà. Oulala, oulala, oulala. Whoopinez, hop. Il va me faire chier, lui, ou pas? Ah. Et les deux sont au sud. Note qu'il y en a une qui est un peu plus à l'ouest. Je peux peut-être faire ça. La question c'est, est-ce qu'il me suit? Il va vers moi ou pas? J'ai pas l'impression. Je me dis, si on fonce, il va peut-être pas nous faire chier. Whoopinez de Nuts à l'avenir. Wouhou. Ah, je fais aboyer mon chien. Mon faux chien. On va se prendre ce putain de rocher. Oh là 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 là. Elle me dit ici en plus je suis caché, du coup il me voit même pas. Oh ça va, il s'occupe pas de moi. Il a pas l'air. Hein? Non, il s'occupe pas de moi. Hop là! J'essaie d'être un petit peu plus dans le vent quand même. C'est tout dru, tout dru. Attends, il a pas changé de route là? Ah, je vois rien! C'est un bateau squelette! C'est une bonne nouvelle! Ça veut dire deux choses. Un, il va pas trop casser les couilles. Et deux, on peut le dégommer. Coucou mon amour! Attention, hein, Dark Cizev, la modératrice est là. Hein. Pas parce que t'es VIP qu'elle peut pas supprimer tes messages. Hein. Ah, où est-ce qu'il y a un endroit pour accoster ici? Pardon. Moi aussi je t'aime. Hop là. Oh. Ouais bon ouais on s'était mieux garé tout à l'heure hein, ça va, j'ai compris, ça va, on va pas commencer à épiloguer là-dessus hein, ça va hein, ok, j'ai encore bousillé mon bateau pour la millième fois hein, je sais, je me gare n'importe comment, je suis vraiment un marin d'eau douce quand je m'y mets hein, ça va, j'ai compris. Bon je dois trouver au milieu des 5. Il y a un truc là, je sais pas ce que c'est. Oh, un coffre tout pourri. Qu'est-ce qu'il chante lui? Arrêt forcé. Oui. Oui, il y a une musique un peu flippante là. Jouer au dé de 1-1 au sommet, 1-5 au milieu et un autre 1 en bas. Elle me rappelait les îles voisines. J'ai donc mis le cap sur Kraken's Fall en chemin. J'ai enterré votre prochain trésor en plein milieu des 5. Non, c'est pas ça. Ici, Crookenmast est un bon endroit pour apprendre l'histoire, tant de vieux navires. Si vous êtes à la recherche de véritables trésors, essayez de repérer l'endroit le plus ancien. Donc, on a ça, ça. Au bon endroit, au moins, je suis bien à Crookenmast. Ah ouais, ça. Il y a quand même des drôles de cris, hein. Je me demande s'il n'y en a pas un qui se fait attaquer par le Kraken, là, quelque part. Au bon endroit, moi.
Je vérifier sur la carte, parce que moi je me suis lancé, pardon, comme ça. Sans regarder plus loin. Oh merde, quel con, j'ai foiré mon saut. Dis-moi tout, bateau magique. Bateau magique. On est bien à Crooked Mast. Ouais, on est bien là. On est au bon endroit. Faut juste repérer les endroits. Donc. Nous avons... Aïe, oh là là. Un truc avec une cloche. Un truc avec... Ah, un truc avec deux nuages, là. Ça, il me semble que c'est ici, tout près. Le problème, c'est que je vois plus rien. Je sais plus où c'est. Je sais que la fois passée, j'avais fait le con. Du coup, j'ai tout fait à l'envers. Là, les deux nuages. Oh, j'espère que c'est là. Oui. Direct. Voilà, et de un trésor. Ah, tu vois Dark Cizeb. Là, j'ai trouvé le trésor direct, hein. Voilà, très bien. Et de un. Aïe. Oh putain, les serpents, quoi. Ça, c'est une bonne chose. Je suis complètement défoncé. C'est mon chien, là. Ah ouais, il m'attend, tranquille. Talentueux. Eh ouais. Mais on se rappellera toujours de ce stream où je ne trouvais pas. Pour mon Noël, on m'a offert une Game & Watch où il y a les trois premiers Zelda. Ah oui, je vois, on l'avait eu au boulot. Et elle est chouette. Enfin, c'est chouette. Et je veux pas celle-là, moi je veux celle-là, l'histoire de Brigsby. Non, c'est pas celui-là. Ah si, c'est celui-là. Voilà, hop, déverrouiller coffre. Modeste présent. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, tablette ancienne. Si on vient m'attaquer, hein. Je mets tout, voilà, à cuire. Ils se diront jamais que c'est là. Bien. Le reste, c'est Kraken's Fall. Oui, trop. Ah bah c'est cool. C'est vraiment les tout premiers Zelda, donc version Nintendo, Super Nintendo. Première Nintendo, quoi. Donc ensuite... Elle me rappelait les îles voisines, j'ai donc mis le cap sur Kraken's Fall. En chemin, j'ai enchaîné votre prochain trésor en plein milieu des 5. Ah oui. Entre Galleon's Grave, c'est où? Galleon's Grave. En plein milieu des 5. Donc Tree Rock Isle. Cimmerus, c'est un méga bon cadeau. Ouais, hein. En plus, à l'heure actuelle, il est difficile à trouver. J'aime les trucs rétro. Ah, bah moi aussi. Enfin, moi j'ai une Mega Drive. J'ai des jeux Mega Drive. Ah, une PlayStation 1, une PlayStation 2. Bon, c'est moins rétro, mais. J'aimerais bien me lancer dans une collection de tout, mais on peut pas, donc... Allez, faut faire des choix, donc je préfère pour l'instant chercher les jeux Mega Drive que j'ai envie d'avoir. Après, je verrai plus tard. Pardon. Il ne reste si je veux passer à d'autres consoles. Oui, le rétro, c'est la vie, c'est tellement de bons souvenirs. Bah oui, en plus, quand tu vois l'âge que ça a et que bah ça fonctionne encore, hein, mine de rien. C'est pas comme les consoles actuelles, quoi. Je me demande si je vais garder autant ma Xbox ou ma PlayStation que une Mega Drive ou quoi. Hein. Allez, on est parti. Nord-Ouest. Voilà. C'est pas du tout par là. C'est nord-est. En plus, là, je suis plein ouest. Je suis absolument pas dans la bonne direction. Tout près de chez moi, un mec vendait des jeux GameCube. Ah ouais, il y a 7 ans. GameCube, j'ai joué beaucoup chez mon cousin.
Mais qu'est-ce que je fous, moi? Je fais tout le tour à l'envers. En Suisse, non, c'est pas dur. Et moi, j'ai un Game Boy Nintendo 64. On peut aussi dire que mon PC date du paléolithisme. Ah, Game Boy, oh là là. Et Nintendo 64. Bah le, en tout cas, le Zelda, je sais qu'il est difficile à trouver. Nous, au boulot, on en a eu quelques-uns. Et ils ont été achetés très vite. Et maintenant, c'est une denrée difficile à trouver, quoi. Il y a plein de bateaux là-bas où je rêve. Oh, venez pas m'emmerder, s'il vous plaît. Ah, c'est un bateau squelette, ça, c'est le bateau squelette. Il y a un galion. Un galion squelette. Oh, ça va. Game Boy, c'est une génération de dingue avec Pokémon Rouge. Bah ouais, ouais. Et franchement, les Pokémon actuels ne valent pas la sensation qu'on a actuellement. Quand je vois le dernier, en plus, ils sortent. Tout le monde dit, hein, ils sortent trop vite des nouveaux Pokémon. D'ailleurs, j'ai acheté le Pokémon épée que j'ai fini de long en large, mais. Je sais pas, le fait d'être passé à la 3D. Je crois que le dernier que j'avais fait, c'était Diamant. Moi, je pense qu'il y en avait au moins 13. Je suis d'accord, c'est devenu n'importe quoi, un Pokémon qui roule. Oui, c'est une moto. En plus, il est tout buggé, le dernier Pokémon, il les sort trop vite. Plus par là, plus vers les bateaux en fait. Le truc Zelda. Oui, plein de gens se plaignent de violer les carottes. Bah ouais, ouais. Après, dès qu'un Pokémon sort, il y a toujours des haters et des fans. Je crois qu'on va devoir se battre hein, contre les squelettes, là. Pour ma part, Game Boy Color, Game Boy Advance, DS, DS Lite, 2DS, bonsoir, Kiraptor. Dans le rayon. Ah, dans le rayon, ok. Ah ouais, nous, ça fait 2 ans que c'est introuvable. Hein. Nous, on ne la vend plus, Ah, ça y est, les voilà. Les voilà. De toute façon, on va se garer, on va les dégommer. Il me tire dessus, il me tire même pas dessus. 3DS et Switch. Ça va, on a compris, hein, Kiraptor. Kirocaptor, pardon. Comment elle se la pète? La DS Lite noire, je l'ai toujours. Ah ouais, bah ouais, moi, oui, c'est vrai que j'ai une DS aussi. Enfin, j'ai ça à ma femme. Mais ce qui est à moi est à elle, ce qui est à elle est à moi. Donc, hop hop hop. Un petit trésor ici quelque part. Pas ça. Oulala, il s'approche très fortement. Je crois que c'est ici, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas là du tout. J'aime pas bien beaucoup ça. Je compte certainement racheter des jeux. Ah bah ouais. Je suis fier de ma collection. Bah tu peux. Ok, il s'est juste approché. Bon, le livre là, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a un rocher. Bah c'est ici en fait. Pas plus ou moins. J'aime pas bien beaucoup ça. Ah! Saleté! Ainsi que tous les Pokémon qui vont avec, sauf le dernier. Ouais. Merde, j'ai un snipe. Oh, c'est pas grave. Wouah, yeah, il le lag. Oh non, je vais quand même pas me faire buter par une créature comme ça. Crève! Crabier. Aïe, aïe, aïe. Mon chien il panique. Il se met près de lui, il panique. Voilà.
Bon. Ah, c'est quoi ça? Il est pas mort? Ou c'est un autre? Ah non, ça va. Ok. Donc, je disais... C'est ici quelque part, non? Ça ressemble. Eh bien, c'est ici. Voilà. Vinted pour acheter des jeux, c'est pas mal si jamais. Ah ouais, c'est vrai. Et merci, merci pour l'info. Collection superbe. Ouais. Hop là, ouais, je sais pas si Merus, si en Suisse vous avez... Enfin, je suppose, vous avez aussi des boutiques comme nous, rétro, qui vendent plein de trucs. Maintenant, le problème, c'est que le rétro, ça devient tellement à la mode que... Bah, les prix s'envolent, quoi. Quand je vois, il y a des jeux Mega Drive, je les ai achetés, genre Sonic. J'ai acheté 5 ou 10 euros au moment où, où le rétro, bah, c'était pas à la mode. Maintenant, à moins de 20 euros, laisse tomber, quoi. Ça a doublé de prix. C'est quel coffre, ça, que j'ai? L'inspiration. Alors, l'inspiration. Clé de l'inspiration. Les spéculateurs. Bah ouais, clairement. Clairement. Hop là. Modeste présent. Donc j'ai dit les dés de Brixby. C'est ça qui m'avait revendu les trous de balles. En Suisse, personne n'aime le rétro. Ah bon? On aime que le neuf en Suisse. Plein sud. Pourtant, allez, je pense à le grand JD, là, il est suisse et il a des consoles rétro, non? Touché? Non. Ah, il est trop loin. Oui, touché! Allez, viens! Il va venir. On l'a aggro. Viens mon petit coco. Ah putain, il se met pas bien hein. Ah, il me casse les couilles. Ah, ça va me faire chier. On va faire ce qu'on va relever ça. Sacrilège, c'était mieux avant pourtant pour certaines choses bien sûr. Oup, purée. Ah, c'était le bon temps, le temps où on pouvait fumer là où on voulait, on pouvait boire de l'alcool. Hein? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il y a même un rayon de trucs rétro. Il y a même pas un... Ah ouais! Tant nous, au magasin, on voit bien, il y a... Allez, il y a quand même un rayon où justement le rétro joue beaucoup. Oh, pinaise. Vous voyez, je lis tous vos commentaires tout, mais c'est plus facile pour moi de... Ça va. Normalement, le toucher une fois, c'est suffisant pour le tuer. Il va couler tout seul. C'est où que je dois aller? Kraken's Fall, c'est... Ah, plein sud. Là, je suis au nord. Bon. On va faire le tour. Go go go! Je fais le tour de l'île, mais je vais aller. Ouh, il me jette un boulet bizarre! Raté! C'est raté! Ah là, je suis pas dans une bonne position là. Et moi, je dois aller au sud! Ouh, purée! On va lui foncer dedans là. J'ai pas remis les voiles à fond, parfait. Oh, il me fonce dedans. Oh, le malade. Il faut toucher le bateau en dessous de la ligne de flottaison si on veut le buter. Alors, il faut buter le capitaine squelette là. Merde, j'ai plus de munitions. Ah, là, on est bien, là. Là, on est bien. Gars, je vais dégommer le squelette. Ah, merde, trop. Boum. 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 Depuis quand est-ce qu'ils ont un snipe, les squelettes? Ah, c'est bon, il est mort.
On va aller le looter, ça fait mouche. Voilà. On va quand même aller récupérer le loot. Je sais qu'on a dit qu'on n'était pas là pour ça. Bah. Pour se faire un peu de thunes, hein. Hop. Je me souviens au début que j'ai commencé ce jeu, je stressais tellement dès qu'il y avait un navire squelette. Maintenant, je suis en mode gros. Alors, où est-ce qu'ils sont? Plus haut des navires squelettes, boum. Tout squelette, ça doit d'avoir un snipe, voyons. Bah ouais, mais c'est nouveau ça. Est-ce que je coule? Non. Bah non, ils m'ont même pas fait de dégâts. Et ils sont où leurs trésors? Ils s'abordent. Ah, ils sont là. Parfait. Hop là, petit coup de harpon. Merde, raté. Hop là. Hop là. Merde, raté. Allez. Allez, quoi. Enfin. Ah, oh, ça c'est de la merde. Je ne veux pas. Je ne veux pas de ça sur mon navire. Le truc que j'adorais avant et encore aujourd'hui, c'est les cartes Yu-Gi-Oh. Ah, bah justement, on en a reçu au magasin. Je rêve où il y a le galion squelette là qui se rapproche de moi. Le galion squelette est un petit peu plus ardu. Pas facile le harpon. Bah ouais, non. Et là, il y a l'autre là qui arrive. Oh merde, hein. Oh, c'est une blague. Ah. Non. On est à côté. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Le crâne, c'est le plus intéressant. Bon, on va prendre le crâne. Et puis on est bon. On va aller à Kraken's Fall. J'espère que c'est pas là où il y a le truc rouge, par contre. Et ça me ferait bien chier, parce que ça veut dire qu'il y a un boss dans le boss. Oh merde, à tous les coups, c'est là. Oh, fait chier. À la limite, je peux peut-être déjà aller à Plunder Truc. Ouais, non. On va juste essayer de choper le trésor, vite fait. La tempête rouge, là, c'est un event. Et vaut mieux pas aller dedans, quoi. Après, là, normalement, je serais du bon côté. Ah, j'ai plus de bouffe. Il me faut des noix de coco. Voilà. Voilà. La musique. Oui, franchement, Yu-Gi-Oh! C'était le feu. Ce site est génial. Trop de talent. Merci. Ah, j'avais pas vu. Moi, je dois aller là-bas, sur ce côté-là de l'île. Normalement, je peux aller en mode vite fait, bien fait. Et pas me taper cet event que j'ai jamais réussi, d'ailleurs. On le fera peut-être une fois. On va tester une fois, mais... Alors, faut que je sois en squad. Avec les tous d'accord. Bonne merde. Ben ouais, mais je dois juste prendre le... Je dois juste aller ici. C'est là, ouais. Oh là là, il y a la musique. La musique de boss, là. Donc, il faut juste aller... Ah, j'espère qu'il va pas me faire chier. Donc... troisièmement, la dernière étape, dirigez-vous plein sud et marchez un peu pour trouver le trésor. Plein sud. Plein sud. Marchez un peu pour trouver le trésor.
Non. Donnez quel âge, on va jouer à qui est le plus proche. Moi je sais ton âge, tu me l'as dit au dernier stream il me semble. Ah putain, plein sud c'est pas là. Ah ça y est, on est reparti. Dirigez-vous plein sud et marchez pour trouver le trésor. Avec la musique qui me stresse là, ça va pas le faire. Plein sud, c'est là hein. Oh là là. Je dirais 28, on a besoin d'indices. Non, je te l'ai pas dit, je crois. Ah, je pensais. Je sais que tu es en dernière année, tu m'as dit, non, à l'école. Mais enfin, il est là le truc. Plein sud, marchez quelque part. Enfin. Ici? Carrément ici? Ah oui, voilà, je l'ai. Le dessin animé que tu regardais quand tu étais enfant. Ah, ça c'est une bonne question. Oui, mais c'est en Suisse. Ouais, mais ça me donne une fourchette plus réduite que pour mes camarades. Bon. La musique est stressante. Voilà, voilà, on va y aller. On va laisser d'autres gérer ce boss. Et moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Hop là! Super, alors je vais juste regarder un truc. Hop là, c'était pas ça que je voulais faire, désolé. Voilà. Ok, très bien. Donc, on est bon. Pokémon et Redakan. Redakan, je sais même pas ce que c'est. Tiens. Plunder Valley, c'est où? Avant-poste Plunder, on y est. Sud-ouest. Ah, c'est stressant cette musique. Hein. Il doit avoir 19 ans. Ah. Oh merde, j'avais pas vu, je me suis pris le truc. Go sud-ouest. C'est ça un sud-ouest. Ah, on n'est pas tout près, c'est exact. Bonsoir les streamrunners, bienvenue sur ce stream de Sea of Thieves, vous êtes ici chez vous. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous, je m'appelle The Great Merlin, je stream sur Sea of Thieves, je suis un pirate dans les yeux. Et voilà, et aujourd'hui on fait l'aventure de Sea of Thieves tout simplement, bienvenue à vous, faites comme chez vous, installez-vous confortablement, prenez une petite boisson, une petite collation. Et profitez, on termine l'aventure, donc là malheureusement vous arrivez à un moment pas très... il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est pas grave. Et on essaie de deviner l'âge de Cimerus. Dark Cizev, tu joues deux fois. Comment ça tu joues deux fois? J'avais 17-18 ans. Ah bah oui, mais j'ai craché le morceau moi. J'ai craché le morceau. Hop là. Bien. Donc voilà. Plus de chance. Ah. Waouh, on est 22 du coup, purée. Waouh, streamrunners.
Oh là là, et en plus on se tape un fort. Purée, 22. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur mon stream. Oh putain, il a touché mon mât, lui. Ah merde, j'ai plus de bois. Ah mais quelle cata, c'est la cata. Bienvenue tout le monde. J'ai dirais 19 ans quand même. Ah. On essaye de deviner l'âge de Cimerus. Oui, compteur pirate, j'ai débloqué un nouveau grade 3 compteur pirate grâce à vous. Nouveau titre est disponible dans votre malasse. Ah merci. Ah merci, grâce à vous, j'ai débloqué un nouveau titre. Et voilà la raison pour laquelle je stream sur Sea of Thieves. Pour débloquer des titres. Voilà, voilà. Ici, vous êtes ici chez vous. Je le répéterai pas assez. Donc ici, on va retourner à Plunder, à l'avant-poste Plunder pour revendre et enfin terminer cette aventure. Et après, on va partir sur du PVP si ça intéresse des gens. Alors, on va visiter... Félicitations, merci. J'avais compris, c'est la... Catin. Quoi? Quoi? Quel catin. Attention, hein, y a la modératrice, hein. Fais gaffe à toi, Darkseev, hein. C'est le dernier stream avant l'affiliation. La semaine prochaine, le 23 décembre, on fêtera ça tous ensemble pour le dernier stream de l'année. On fêtera l'affiliation, ça va être génial. Allez, on y est presque. Avant poste Plunder. Ah, j'ai mal aux oreilles. Il faut vraiment que je m'achète un nouveau casque. Hein. Plus confortable, je crois. Faut que m'achète un nouveau PC, un nouveau casque, faut que j'achète un stream deck, faut que j'achète des lumières, il faut que j'achète... Tantôt, au lieu de... C'est la cata, j'avais compris... Catin. Ah ouais, ok, c'est la catin. Ok. Ah, j'ai pas ouvert le dernier coffre. On va aller ouvrir ce dernier coffre. On va prendre... La clé! Hop! On déverrouille. On ouvre. Oh, pardon. L'œil maléfique, on va le remettre. Ouah, c'est flippant. Quand je tourne, il tourne. Ouah. Ah oui, non, c'est le reflet dedans. Ok. Hop là. Et ça, on va mettre ici, tout simplement. Voilà. Voilà. Sud-ouest, allez, on y est presque. On va enfin terminer cette aventure. À 22h, c'est bien. Après, ça nous fait un petit peu de PVP. Je vais d'abord vous montrer l'avant-poste Golden Sand qui a bien évolué. Alors, Cimerus, quel âge as-tu? Ah ouais, t'as toujours pas donné ton âge, hein, Cimerus. Il fait son timide parce que là on a beaucoup plus de spectateurs. Chirocapteur a gagné, c'est la plus proche. Et t'avais donné quel âge? Attends. 17-18 ans. Ah, donc t'as moins de 19 ans. Ah. Moi, il me semblait que t'avais 17 ans. 15! Oh! Ah bah je te donnais plus, tiens. 15 ans tu as. Ah bah. Tu as encore toute la vie devant toi. Tu es le Benjamin ce soir. Merde. Moi avec toutes ces conneries... Oh, je dois surveiller mon langage. Hein. T'es un petit jeune. Ouais, moi je suis le vieux là. Tu me donnes quel âge, tiens, Cimerus? C'est là-bas. Sauf si je mange un camion. Oui, si tu manges un camion, oui, mais bon, oh, on va éviter, hein.
On va éviter que tu te prennes un camion. 30. Ah. Oh. Ça, c'est la barbe. Ah, des fois, on me donne tellement moins. Il faut le vouloir. Mais tu y es presque. Tu me donnes quand même moins. Moins que mon âge. En vrai, j'ai 54 ans. Non, je rigole. Non, j'ai 34 ans. Hop là. Allez, on va enfin finir cette aventure, bordel. Faut le vouloir. Bah, moi j'aurais dit 40. Ouais, c'est ça. Tu triches, hein, Dark Cizev. J'ai demandé qu'à toi si mes russes, parce que les autres, ils savent, hein, donc... Donc voilà. Ah, bah, je suis content, on a débloqué le pic. On va aller regarder ça après, une fois que je serai garé. Oui, oui, je sais. Bah oui, je sais que tu sais. En fait, si je vais voir maintenant dans ma réputation, oh là là, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a rien qui charge. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ah, voilà. Ah, ils ont changé leur système, tiens. On va regarder ça après, parce que sinon, je vais me prendre le truc. Bon, allez, avant, on va tenter, vous me donner quel âge. Ah, bah oui, moi, je sais l'âge. Je sais quasi l'âge de tout le monde. Alors, maintenant, je sais l'âge de tout le monde. Donc, je ne peux rien dire. Un indice. Je peux donner un indice. C'est une collègue de travail. Oh, je n'ai même pas attendu que tu me dises oui ou non. Elle travaille avec moi. Ça élimine déjà une catégorie. Ah. Merde. Ah, ça lag. Ah, ça m'énerve. Pourquoi ça lag toujours quand il faut pas? Y'a demi-tour. On a 24 et on a 28. Pour l'instant là, je me gare. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Jette l'encre partout, Tatis. Oh là là. Je me suis garé une seule fois correctement, hein, ce soir. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est le journal de bord ici. Grâce à ça, on a débloqué. Vous avez eu 20 spectateurs en simultané. Ça, c'est génial. Merlin, il n'a pas le droit de jouer. Non, ben non, moi, je donne les indices. Je dirais que Dark Cizev qui gagne 27 ans. Ah ben voilà. j'allais répondre. Et maintenant, il faut deviner Dark Cizev. Je donne un indice. Il a 2 enfants. Attention, c'est peut-être un piège. Alors, on va aller tout de suite revendre les trucs. Là, j'ai fait ma cuisine, là, ici. Hop, on y va. Je veux conclure cette aventure direct. Attends, qui? Dark Cizev. Notre VIP. Ah, ok, 32. Tiens, voilà la tablette. Je suis en train de me demander la dernière fois, parce que j'avais pas capté que c'était les dés, si effectivement il m'avait. C'est mon pseudo qui aide, seuls les vrais ont la ref. 33. Pour l'instant, vous êtes froid, les gars. L'indice que j'ai donné est peut-être piégeux.
S-. S-, S+. Moins. En fait, il a 15 ans, comme Simirus. Non, je rigole. Oui, je suis pas si vieux. Il est plus jeune que moi. Ouais, forcément, du coup, c'est moi. Ah, ça y est, on va enfin conclure cette aventure qui m'aura bien saoulé. Oula! Oula! Le pire, c'est que je crois que les Allemands n'avaient pas revendu ça. Je les ai accusés, là, à tort, et bon. Pas grave. J'aurais pu la conclure la fois dernière. Voilà. Madame Olivia. Et maintenant, Madame Olivia. Il est difficile de dire si tout ce que vous m'avez apporté sera suffisant. Bien joué, j'ai 25 ans. Bravo. Ah ben, les streamrunners sont partis. Pendant les pages du livre ne recèlent plus de secrets, alors je crois qu'il est temps de commencer. Qu'est-ce qu'elle fait dans sa boîte magique, elle? Oui, oui. Ah, mais oui, mais c'est ça qu'ils ont montré dans la vidéo, les streamers, là. Oui, oh! Oui, oh! Pas loin non plus. Le rituel est achevé, mais il faudra du temps avant que l'ordre ne ressurgisse du chaos du souvenir. Pour l'instant, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Merci infiniment pour votre aide. On est deux. Peut-être que je ne finirai pas en sac d'os après tout. Mais que dois-je faire maintenant? Vous avez la tâche la plus difficile de toute, Tasha. Vous devez être patiente et croire que Briggsy sera gentil avec vous une dernière fois. En fait, ton live, c'est une réunion d'employés. Je vais me poser un peu plus puis retourner à ma taverne. Peut-être que nettoyer les drogues renverser l'herbe. Pour bien de Tasha, je vous demanderai de ne parler à personne de ce dont vous avez été témoin ici. D'accord. Une fois que les souvenirs de Briggsy seront révélés, en bien ou en mal, je ferai un nouveau appel à vous. Et comique, c'est que tout le monde sait qu'elle a ça. Enfin, je veux dire, puisque tout le monde a fait l'aventure. C'est pas vraiment une réunion d'employés. Simirus, Dark Sisev, il travaille pas avec moi. On est de la même famille. Il est de la famille de ma femme. On est beaux cousins, on va dire. En gros, beaux cousins par alliance. On habite pas dans le même coin, malheureusement. Voilà, on a fini l'aventure. Super. Alors maintenant... Voilà, on retourne dans l'ambiance de Noël. On va aller voir Golden Sand. Je vais vous montrer l'avant-poste de Golden Sand qui a super bien évolué depuis cette mise à jour. À chaque fois que je passe à côté du forgeron, j'entends un bruit d'épée, ça me stresse. Hop. Allons-y, Alonzo. Ah merde, j'ai pas revendu les trucs là. Attends, on va revendre tout ça d'abord. Oh là là. Fait que la moitié du boulot aussi. Hop là. Mais il y a des trucs qui se revendent pas ici. On va revendre tous les trésors d'abord. Ah oui, mais j'ai plein de trésors à revendre. Moi, qu'est-ce que je fous de ma life? Hop. Je peux pas le prendre. Ah oui, parce que j'ai ça en main. Ok. Je suis en fait le vilain petit canard. Mais non. Tu es le Benjamin, tu es le plus jeune ce soir. Bah, je ne pense pas que tu sois mon viewer le plus jeune de manière générale de tous mes followers. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Bon, ça, je vais revendre à Madame Olivia, elle a été gentille avec moi. Hop. Saphir de sirène. Hop. Ça, je sais pas le revendre ici, il faut que je le revende... aux faucheuses, pardon. Ouais, je vais pas passer aux faucheuses, donc... Hop là. Mais je suis le seul Suisse. Ah oui. Bon, je vous abandonne. Bon live, bonne soirée tout le monde. Merci, Kero. On se voit demain au boulot. Merci pour cette réunion d'employés.
Niveau 59. Hop là, niveau 28, c'est bien, il y a tout qui augmente, c'est super. Bonne soirée, à demain, repose-toi bien. Oula, en forme demain. Alors, crâne recherché, boum. Voilà. Les modestes présents, je les laisse pour qui veut. Au revoir. J'arrête de tousser dans le micro, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qu'il me reste de beau? Oh là là, j'ai encore plein de trucs à revendre. Hop. Bon allez, on est presque au niveau 60, on va faire... Maintenant, on doit deviner l'âge du chien à Merlin. Ah, le vrai ou le faux? Celui du jeu, c'est un peu compliqué. Ouais, ça fait un petit peu de sous-sous, tout ça, c'est bien. Ah ouais, du coup, ah ouais, si j'avais été chez les barons, ça aurait été plus vite pour revendre tout. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas 10 000 trésors ici. Hop. On va essayer d'aller vite. IRL. Ah, bah il est pas là, il est avec ma femme en bas. Donc je ne sais pas trop vous le montrer. Je crois que Dark Cizev, bah c'est plus ou moins. Donc disons que ça fait un an qu'on l'a. Ah, qu'est-ce que je fous moi, c'est pas ici que je sors. Je peux donner un indice. En décembre, ça faisait un an qu'on l'avait. Allez. Bon, j'aurais pas eu la chance d'être sélectionné par Sea of Thieves pour le raid de 8000 personnes là. Oh, ça c'est loin. Quatre ans. Non, moins. Ça fait que un an que je l'ai, donc... Niveau argent, tu gères sur si. Ouais, mais oui. Mais j'aimerais bien m'acheter un brigantin et un galion. Et avoir un... quand même un minimum de fonds restants. Parce que j'ai assez pour acheter l'un ou l'autre. Mais voilà, mais j'aimerais bien acheter les deux. Et quand tu passes les gens de pirates, t'as quand même des achats beaucoup plus chers à faire aussi. Deux. Ah, presque. Moins. Mille balles, hop. Hop. Crâne de capitaine squelette, ça. Ça, ça va rapporter, ça va faire monter. Je regarderai... bon, tout ne sait pas se faire tout de suite. Mais pour mettre en place des petits jeux dans le chat aussi, ça c'est marrant. J'ai un copain là, pas que moi. Oui, comme tous les jeux, les évolutions, ça coûte plus cher avec le niveau. Bah ouais, ouais, ouais. Donc, je suis assez radin dans les jeux. Du coup, j'ai 500 000, mais je veux les garder, quoi. Alors, pour ça, par contre, on va... acheter, il me faut une clé cendrée. Si je peux vous donner un conseil, si vous avez des doublons, la monnaie, un doublon, ces coffres-ci, ne pas les revendre directement à l'arina, il vaut mieux... Pardon. Il vaut mieux...
Et pourquoi j'ai pas gagné ma récompense, tiens. Normalement, j'aurais dû l'avoir. Bon, c'est pas grave. Il vaut mieux lui acheter un voyage de clé cendrée. Ça coûte 99. Donc bon. Ok, il faut l'avoir. Mais c'est intéressant parce que après, donc on active la quête. Sinon, il faut tuer un gardien de clé cendrée aussi, ça marche bien. Pour avoir une clé cendrée. Tu sais, je suis preneur si tu sais pas quoi acheter. C'est pas que je sais pas quoi acheter, c'est que c'est trop cher. Et que j'ai besoin de plus de sous pour dépenser mes sous. Donc, il faut proposer une quête. Les gens du Val, non. Voyage de clé cendrée, voilà. Une quête qui se passe d'office ici, donc il y a juste une carte. Hein, donc c'est juste derrière le bar. Si quelque part, bon il fait noir, c'est pas évident. Ici. Derrière le rocher. Ça va être ici, je crois. Hey, direct. Ah, t'as vu Dark Cizev, hein. Je suis un expert, hein, normalement. Voilà, comme ça, on a la clé cendrée. Qui nous permet... d'ouvrir... le coffre cendré. Voilà. Et le fait d'avoir ça... hop là, ben... ça nous donne des choses... ça nous donne des succès normalement. Enfin, ça. Allez, ça permet de débloquer des succès. Et ça nous donne plus de thunes, quoi. Sinon, ça ne donne que. Ah ben voilà, j'ai débloqué un succès. Ça ne donne que 5 de doublons, quoi. C'est pas très intéressant. Oh là, faut que ça arrête de laguer, là. Je prends la bourse d'or. Hop. Et je lui revends. Et voilà. Et là, j'ai mes 5 doublons. Il arrête de bugger. Ah voilà. Passe niveau 65. Ah non, bon. Voilà, voilà. Bon, les modestes présents, je les laisse à qui veut bien. J'ai encore un trésor qui traîne. Ah ouais, j'ai les trucs... oh, j'ai les trucs de... de marchand, là. Ah non, j'en ai qu'un. Parce que l'autre, c'est... c'est une caisse de stockage. Il va nous servir quand on va faire du PVP. Voilà. On va revendre ça au chum ici. Voilà. Un peu de sous. Et voilà. Purée, niveau 30, c'est bien ça. Alors, maintenant, je voulais vous montrer Golden Sand. Où est-ce que c'est maintenant? On n'est pas tout prêt, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter et on va recharger la partie. Comme ça, je me rapprocherai peut-être. Ouais, on va faire ça. Donc ici on est bon, on a fini l'aventure, hop. On va relancer une partie pour être plus proche. Pardon, oh là là, pourquoi je me tourne vers le micro pour tousser moi? Pour être plus proche de Golden Sand, tout simplement. Je pense avoir mal au cul. Donc je vous montre Golden Sand, on fait un PVP et puis bah... on va en rester là, à mon avis. Hein. On n'aura pas eu la chance d'être... de recevoir le raid de... de Sea of Thieves. Hop là. On va restaurer le navire, quand même, hein.
Voilà. Désolé, j'ai une petite absence. Et l'occasion, si mes Russes, de tester le mode PVP. Une autre musique. On est où ici? Oh, on est loin ici. Non. Ah, t'as pas encore testé. C'est un bon mode pour s'entraîner en PVP. Ah, quelqu'un qui a laissé une caisse de stockage. Oh là là. Oh là, je suis encore plus loin, quoi. On va y arriver, on va y arriver. Tu fais un sport? Actuellement, non. J'ai fait beaucoup de sport étant jeune. J'ai fait du basket, du tennis, du kung-fu, du karaté, mais ça n'a pas longtemps. De l'escrime théâtrale, de ma formation de comédien. Enfin, donc, c'est pas vraiment un sport à côté. Pardon. Déjà pas mal. Hein. Et bah, de la cardio et de la muscu, quoi. Et toi, tu fais du sport, Simirus? Ah merde, je crois que j'ai pas pris mon sloop. Merde. Sport, c'est important. Mais depuis que j'ai mon boulot est un sport. On court tellement partout. De l'airsoft. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est chouette l'airsoft. Et quoi, tu fais ça avec des potes ou t'es dans un club ou... Oh, ça y est! J'ai même pas besoin d'aller parce qu'on y apparaît directement. Je vous présente les amis le nouvel avant-poste de Golden Sand. L'airsoft à 15 ans, on peut. Bah, en Suisse, apparemment, oui. Hein. Ouais, pas de musique. Donc, ça, c'est le bar. Alors, on a un petit. Ah, ben voilà, il y a la musique. On a une petite scène où on peut se produire si on veut. Yo ho, yo ho, c'est la piraterie. Attends, il faut chanter, il faut jouer une chanson en même temps. Merde. Oh, c'est trop triste, ça. Bon camarade, oui, c'est un bon camarade. Oui, c'est un bon camarade. Je connais pas les paroles. Je connais pas les paroles. Je connais pas les paroles. Oh, oui, c'est un bon camarade. Oui, c'est un bon camarade. Oui, c'est un bon camarade. Et je connais pas la suite. C'est la chanson de l'intro. Pro. Oui, c'est la chanson de l'intro. Oh. Bref, donc on peut se produire sur scène. Aussi, je peux jouer du banjo si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pris ma montre. Star Academy ici. C'est trop triste. Bon, voilà. Donc ça, c'est le nouveau bar. Je joue de la musique en même temps. Hein. Et le bar a des étages. Donc ici, il y a... pardon, plein de trucs. Il y a même des chambres pour dormir, si on veut. Enfin, je vais peut-être couper le chat, parce que sinon on va m'entendre. Chat vocal. Hop là. Les cuisines. Je vous fais visiter. Hein. En fait, ils ont créé une petite ville dans Sea of Thieves, quoi. Et donc là, on est à l'étage.
Et ils en ont fait vraiment un port, quoi. Pour vous donner une idée, voilà. L'autre fois, j'ai rencontré des gens. Il y a beaucoup de gens qui vont visiter ce lieu-ci en ce moment. Ça, ça n'a pas encore beaucoup changé. On voit que c'est encore en construction. Waouh, super, bref. C'est un truc de fou, parce qu'avant, tous les avant-postes, c'était un peu la même configuration. Il y a une petite terrasse. Là, il y a tous les commerces. Ça a plus de gueule quand on rentre par là. Donc, hop, là. Donc, voilà, là, il y a tous les commerces pour acheter tout ce qu'on veut. Il y a les égouts, il y a des gens qui pensent que là, ils vont sûrement construire quelque chose et on aura accès. Là, c'est encore en construction, avec le port des barons, là. Voilà, on peut rentrer dans les magasins, on fait ce qu'on veut, hein. Magnifique le travail de dingue. Ouais, franchement, ils ont remodélisé tout. Avant, c'était une petite île, c'était complètement... vide, enfin vide, c'était un peu délabré comme ça, et là ils ont vraiment voulu faire un truc, donc il y a des tours et tout, ils ont vraiment créé un port quoi, tout simplement, et ça évolue à chaque mise à jour, il y a un phare aussi, mais on peut pas aller dedans je crois. Je vais déjà prendre un petit peu des trucs parce qu'après on va faire un petit match en PVP. Hop. Nine. Si on peut rentrer dedans, mais on peut pas monter, je crois. Ah si, on peut monter. Ah non, on peut pas monter. Non, c'est fermé. On pourra peut-être monter un jour, je sais pas. Et donc voilà, c'est le nouvel avant-poste de Golden Sand qui est trop cool, quoi. En plus, ils ont mis la déco de Noël. Et chouettos. Bon, on va aller faire un petit match en PVP. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut ici. En plus, on peut faire du parcours sur les toits si on veut. Regarde ça, hop là. Mais ils vont sûrement... Enfin, ils développent de plus en... En fait, t'as l'impression que le jeu... Ça fait 4 ans qu'il existe et il le développe de plus en plus, quoi. Comme s'il n'était pas terminé. Je fais du parcours. Y'a personne qui vient? Je peux pas faire une attaque surprise. Ah, bon, j'ai raté. Bon, c'est pas grave. Bon, on va aller vers le bateau. Là, il y a les plans de l'architecte. Là, ils sont encore en train de réfléchir. Pardon. Mais ils vont sûrement faire une zone ici avec les guildes et tout, quoi. Et là, c'est under construction. Avec les barons. Voilà, voilà, quoi. J'adore. Oh. Bon, on va PVP. Et puis, on va en rester là. Ce soir. Hop. Mais le souci, c'est que... C'est pas mon bateau. PVP, il faut mon bateau. Il y a moins d'ici 2 ans, le jeu va être incroyable en termes d'île et tout. Ouais, bah ouais, ouais. Ouais, il... Poser une quête. Ah, c'est pas mon bateau! C'est pas mon bateau! Bon, je quitte. Je vais relancer. De toute façon, en PVP, on s'en fout d'où on est. Oui, c'est ça que. Ben, aussi, ce jeu, j'ai décidé de streamer que sur ce jeu parce que, ben, il y a tellement tout le temps des mises à jour et tellement tout le temps des changements que, ben. C'est un jeu qui évolue. Enfin, c'est. S'il y a toujours du nouveau contenu à présenter, quoi. Pardon. D'ailleurs, si on regarde dans mes tout premiers streams, on va sur Golden Sand, hein, et non, voilà, c'est ça le problème. Ah ouais, non, naviguer en sloop. Ouais, c'est bon. Et ça ressemble pas du tout à ça, quoi.
Est-ce que j'aime ce qui font participer les joueurs? Oui, ouais, ils demandent beaucoup l'avis des joueurs et ils les écoutent. Enfin, non, c'est chouette. Bon, on aura au moins terminé l'aventure, c'est déjà ça. Je vais quand même regarder si j'ai eu la récompense parce que c'est bizarre. Oui, c'est incroyable, ils le travaillent bien, ils alimentent bien le jeu. Bah ouais, franchement, quand tu commençais le jeu il y a 4 ans, il y avait moins d'îles. Moi, je l'avais eu à sa sortie, et je veux pas beaucoup jouer parce qu'il était pas très intéressant à la base. Il y avait moins d'îles et. Enfin, il y avait rien à faire en fait. Oula! Maintenant, il y a des mises à jour toutes les 2 semaines, un truc comme ça quoi. J'aimerais bien voir. Ah ouais, je l'ai, la boussole enchantée de Tasha. Super, bon, on va PVP. Pour de vrai. Ah voilà, c'est mon bateau, c'est ce que je voulais. Pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ouh, des feux d'artifice, ça me sert à rien, mais c'est génial. C'est pour ça que c'est mon jeu préféré. Bah, je comprends. C'est un de mes jeux favoris aussi. Ça, de plus en plus, ça devient... ça devient le jeu, quoi. Oh, je prends des bananes, tant pis, de toute façon. On fait qu'un seul match. Hop, mais on va quand même mettre... Ah, merde. On va quand même mettre mon skin de Pirates des Caraïbes. Hein. Hop. 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 Et hop. Je peux prendre une voix un peu plus virile aussi, s'il faut. Voilà. On est bon, on va aller péter des bateaux. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. S'il te plaît, tu peux mettre tout en collectionneur d'or. Ah, j'ai pas tout en collectionneur d'or. Allez, si tu veux, je vais mettre ce que j'ai en collectionneur d'or. Hop là. Alors, collectionneur d'or, j'ai... C'est pas ça, mais ça pourrait le faire. Je crois que j'ai pas la bonne figure de proue, déjà. J'ai Golden Chaser. Bon, écoute, on va mettre ça. Ça m'a l'air pas trop mal. La coque, je crois que je l'ai. Pas sûr. Ah non, Golden Chaser, non, c'est pas ça. Chasse au trésor. Bon, la coque, je ne l'ai pas non plus. Donc, on va faire un truc approximatif. Hein. Hop, avec ça. Ça, par contre, je l'ai. Golden Sand. Ici, j'ai collectionneur d'or, maraudeur des collectionneurs d'or. Voile inaugurale, bah c'est celui-là le plus élevé. Hop. Ensuite, barre souveraine, j'ai pas la barre des collectionneurs d'or. Barre de baron, bah on peut mettre celle-là, ça reste dans les tons verts et dorés. Attends, dans ta coque, il y a un truc en or. De quoi tu parles? Ah, golden, ça veut dire... Oh, où c'est ça que tu veux un truc en or? C'est tribute pix. Ça, c'est dragon cendré, donc c'est du feu. Coque royale, amiral imminente.
Non, j'ai pas vraiment de... Les canons, ça je l'ai. Ah non, tribute pick. Ah voilà, collectionneur d'or. Voilà. À droite. À droite. Ici. Chasseur du crépuscule. Chasse au trésor, mais c'est pas... C'est une coque verdâtre. Moi j'ai mis celui-là, Golden Chaser. On peut laisser comme ça. Et alors j'ai la barre normalement. Collectionneur d'or, voilà. Nom du premier. À droite du premier. Là? Là. Moi, je peux mettre ça si tu veux. Le gars, il donne bien mon bateau comme ça. Dernière colonne vers le bas. Dernière colonne vers le bas. Ça? Où ça? Ça. Et là? Voilà. Ah, il fait noir, on voit pas le bateau, mais c'est pas grave. Donc, ici j'ai mis. Ici j'ai mis. On va reprendre quelques trucs. Et on va aller en haute mer. On va se faire un petit combat. Hop là. Normalement, les chargements sont plus rapides qu'avant. Normalement. Un petit combat pour conclure tout ça. Tant mieux alors. On plonge! On plonge! Wow. Oula, ça lag. Il doit être magnifique le bateau. Oui, on le regardera après. Voilà, ça lag. Et après le combat, on va rester là. Hein. C'est déjà pas mal, on a réussi l'aventure, enfin. Bon, c'est soi-disant moins long. Ah, ça me gratte. Ah ben voilà. Superbe aventure. Ouais, c'était middle, hein, moi je trouve. Bah, j'espère que... Enfin, la semaine prochaine, je pense qu'il n'y aura pas d'aventure, mais on fera une quête. Une grosse quête pour l'occasion. Dernier stream de l'année. Parce que là, on est officiellement affiliés, les amis. Et c'est ça qu'on va fêter vendredi prochain. Là. On va le prendre. Ça m'étonnerait que
Je pense pas... Oh là là, ouais, en plein dedans. Je pense pas que je vais garder ma série de victoires. Parce que je suis nul, hein, donc... Oh, fait chier, je m'en prends plein la gueule. J'ai pas été très stratégique, j'ai pas été très malin pour le coup. Oh là 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 là. Allez hop. Ah, je le touche pas, hein. Bon, il faut absolument que je répare les trous. Ah putain, ça lag, hein. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est mon casque qui est en train de rendre l'âme, que la batterie est à plat? Je ne sais pas. Désolé, mon tel avait plus de batterie, il s'est éteint. Oh, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça lag, putain. Putain, je m'en prends plein la tronche. Le gars, il doit se dire, putain, il m'attaque pas. Allez, allez, allez. Go! C'est le moment de le canarder. Ah, trop loin. Bon. Je lui ai fait plus de dégâts qu'il m'en a fait. C'est déjà une bonne nouvelle. Pas perdre trop de temps avec ça. Il est en train de réparer, je parie. Prendre des boulets. Allez hop. Et si on lui fonçait dedans, il va rien comprendre si je fais ça. Ouah. Lui qui va me foncer dedans. Oh putain. Oh putain. Ah. On est mal barré. Si j'avais touché son bateau, ça aurait été bien parce que lui était sur mon bateau sans me faire de dégâts. Allez. C'est vrai que ça ne va pas trop. On va prendre ça là vite fait. Hop, parce que le snipe j'aime pas. Oula. Il y avait deux squelettes là. Dommage. Bah ouais ouais, mais je suis nul en PVP, mais bon. Il est en train de cramer mon bateau. Il est en train de cramer mon bateau l'abruti. S'il est encore sur mon bateau, ça c'est une bonne chose. Ah ouais, il est encore sur mon bateau. Oh putain. Et donc son bateau doit être en train de couler. C'est une tactique con, hein, d'aborder un autre navire dans ce genre de cas. Honnêtement. Je trouve. Allez, ouvre! Ah non, j'ai perdu. Bon, bah j'ai perdu. Voilà. Ma série de victoires est définitivement terminée. Ah bon, je passe niveau 11, faut voir le... Non... Pitié. Ah, je suis tout nu. Pourquoi je suis tout nu? Bon, ben voilà. Mon beau navire. avec le skin que Simerus avait choisi. Je comprends pas parce que moi il m'a... Enfin bref. C'est que j'avais plus de dégâts que lui. Bon. Ben voilà. C'est là-dessus qu'on va arrêter le stream. On va quand même admirer le bateau. Ah. Pour Simerus. Mais vous remarquerez que ça a été beaucoup plus vite que les autres fois. C'est de ma faute. Pourquoi? On a mis un truc trop bling bling? Bah non, c'est pas de ta faute. C'est de ma faute, c'est moi qui fais n'importe quoi.
Bon, après, il y a eu beaucoup de lag, hein, mine de rien. C'est le lag. Ou la manette. Ah ben, on est de retour à Golden Sand. Et alors ici, pour les légendes pirates, c'est ici que ça se passe. Ah non, c'est ici que ça se passe. Non, c'est ici que ça se passe. Enfin. Enfin. C'est pas ici? Ah, voilà. Voilà, la prochaine fois, faut laisser le pirate des Caraïbes. Bah oui, voilà. Le plus menaçant. Et là, ici, c'est la zone des légendes. Et je me suis dit, ouais, mais où est-ce qu'on la débloque, la zone des légendes dans ce bar gigantesque. On va quand même aller admirer. Hop là. Plouf. Mon bateau, mon beau bateau. Oh, oh, oh. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, on le voit quand même en plein jour. Avec le cabestan, la barre, les canons, la figure de proue. Voilà, c'est plus ou moins cohérent, hein. Ah, j'ai pas repris mon chien, bon, c'est pas grave. On va aller refaire un spectacle pour conclure ce stream. En tout cas, merci à tous d'être venus sur ce stream. Ça m'a vraiment fait plaisir. Sublime quand même. Bah ouais, il y a moyen de faire des beaux bateaux. Hein. J'aime bien changer de temps en temps. Donc voilà. Donc voilà, merci d'être venus sur ce stream. On va quand même aller chercher le chien pour conclure. Oh, on est 5. On est 5 ? On est 5. Et voilà, donc... bon, un truc plus heureux quand même. Voilà, un truc plus fun. Là, ce qu'on va faire, on va faire encore mieux. On va se bourrer la gueule. Allô, ma shop. Ah, voilà. Hop là. Toujours conclure avec un petit verre. Remplis ma chope, Tina. Allez, hop là. Il y aura bientôt des défis à faire en étant bourré dans le jeu. Ça va être cool. Ça va débloquer des succès, tout ça. Et je pense que c'est vendredi déjà, donc vendredi, on va se faire des défis bourrés. Voilà. Oula. Oula. Allez, on va aller chanter sur la scène. Le truc le plus drôle, c'est de jouer de l'accordéon quand on est bourré. Allez, un truc plus fun. Ça va être top. Allez, un truc plus fun. Oh, je vomis. Ah voilà, joyeux anniversaire. Voilà, merci. Une bonne soirée qui a mal fini, ouais. Merci d'avoir suivi ce stream. On se retrouve vendredi pour la suite de nos aventures. Oh là 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 là. Voilà, voilà, je pense qu'on va en rester là avec le jeu. Joyeux anniversaire! Alors, je peux vomir dans le seau normalement. Minute passée à jouer des chambres. Ah, ouais, voilà, j'ai vomi dans le seau. Et on va le jeter sur l'autre là. Et toi là-bas! Toi là-bas! Boum! Prends-toi mon vomi. Oh, ça a lagué au mauvais moment. Bon, voilà. Voilà, voilà. Bon, on va rester là avec le jeu.
Hop. Oui, capitaine de l'équipage. Voilà, voilà, et eh bien merci, merci Dark Cizev, merci Cimerus, merci à tous ceux qui ont suivi ce live. C'était le dernier stream avant l'affiliation. Vendredi 23 décembre, soyez présents pour le premier stream en tant qu'affilié. Dernier stream de l'année, toujours au top, merci Dark Cizev. C'est vous qui êtes au top, c'est vous les meilleurs. C'est grâce à vous que tout ça arrive. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir tous mes réseaux sociaux de l'autre côté, tout simplement. Si vous voulez me remercier, Cimerus. Cœur à toi, cœur. C'est pas très bien fait, ce cas. Si vous voulez rester informé de tout ce qui se passe, tout simplement. La rediff sera sur YouTube, comme d'habitude. Elle arrivera demain ou lundi à voir. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi, c'était The Great Merlin qui jouait à Sea of Thieves. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, n'hésitez pas à liker Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et TikTok, je crois que j'ai tout dit. Vendredi 23, je compte sur vous, même jour, même heure, même jour. Et voilà, merci, 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 merci à tous. Merci. C'est la fin.